Ah, mais viens là! Celle-là, elle est morte. Bon, on va aller jusqu'à la destruction de la pioche. Oula. Oula. Ah, allô? Ouais. Ça va? Tu t'éclates avec Discord? J'ai rien fait sur Discord. Mec, depuis tout à l'heure, tu déco, tu reco, tu déco, tu reco. Je fais rien du tout sur Discord. Énorme. Ou alors c'est pas toi. Si c'est pas C'est toi. lagué à fond. Si c'est pas toi, je vois pas qui ça pourrait être. Alors, j'ai 59 cailloux. Ah bah avec ça, attends, je vais te placer le... Ouais. Ouais, mais j'ai pas de bâton, moi. Tiens. Tiens, 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 tiens. Bah vas-y, donne. Ouais. Cool. J'ai du bois. Parce que là, j'ai tué des animaux, mais... Alors, moi, le premier truc que je vais faire, c'est une pioche en pierre. Pierre! Voilà. Parce que la pioche en pierre, ça permet de... Je t'ai pris ta table, hein, si tu la cherches, c'est moi qui l'ai. T'inquiète, je peux en refaire une. Je suis en train de récolter du bois là. Ah voilà, avec cette pioche-là, je devrais aller plus vite pour récupérer masse pierre. Donc pour ceux qui connaissent pas Minecraft, ben du coup, j'ai juste envie de vous dire, ben, vous avez vécu dans une grotte toute votre vie. Voilà. RIP. Je pense que ce jeu, on n'a pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Et accessoirement, vous allez être jugé sur l'autel de la culture d'Internet. Donc c'est un monde tout fait de cubes, voilà. Le but, survivre, construire, faire ce qu'on veut, quoi. C'est un monde libre, on fait ce qu'on veut. La map, elle a une taille, on va dire, quasi infinie. Pour ne pas dire infini, parce que je crois qu'il y a une limite de blocs au bout d'un moment, mais bon, ça a jamais été prouvé. Par contre, il faudra peut-être songer à faire des lits. Pour ça, il nous faut des moutons très chers. Ah bah, j'avais pas vu l'ombre d'un mouton dans le coin, moi. J'en vois. J'en ai vu. Il faut aller derrière la petite montagne sur laquelle on est là. Et puis il y a une grande plaine là. Et puis il y a des moutons. Mais par contre, j'en ai trouvé que. Il y en a 4. Il y en a 4. Il y a de quoi faire un lit. Ouais, je vois des... Je vois des poules. Ouais, bah plus loin que les poulets. Voilà, tiens, tu me vois là? Ouais, je te vois. Ouais, bah c'est là, tu vois, les moutons, là, ici, il y en a 4. Il y en a 4. Alors... Ah, la main, c'est chaud. J'espère qu'ils vont loot plusieurs blocs de laine. T'en as combien sur toi? Rien. Moi j'en ai deux là. Attends, 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 viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Tiens, t'en as un troisième. Ah bah j'ai plus de hache, comme ça. Ah, t'as pas la main, c'est pas grave, ça met juste plus de temps. Il a fait un trou. Alors bonne nouvelle, je viens de trouver une ruche. Oui, je sais, il y a les abeilles qui tournent autour. Tiens, 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 j'ai encore un bloc de laine. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, viens là, viens là, viens là, Attends, viens j'en là. ai récupéré 5 là, des blocs de laine, hein, Bah donc on peut tiens, ça. faire... Tiens, non, il en faut 6 pour faire 2 lits. Tu sais pas compter 3 plus 3? Eh ben, on en a 6, c'est bon. Bah voilà. Qu'est-ce que Nickel. tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Le mec. Bah voilà, qu'est-ce que tu me dis? Un lit. Et voilà le tien. Alors, il y a une petite plaine sympa là sur laquelle on pourrait genre construire une petite maison, un truc T'es où là? là sur ta droite, derrière l'arbre. Je suis derrière l'arbre. L'arbre qui est perdu là sur ta gauche. J'ai dit gauche. Là, voilà, tu vois. Là.
Droite. Je récupère. Non, mais je t'ai vu, je t'ai vu. Ok. Je récupère juste la table de craft. Ok. Dépêche-toi, il va faire nuit. Mais non. Ah si. Bah, si je te le dis. Tiens. Ouais. Ouais. Oh, on peut pas encore dormir. Ça devrait pas tarder. Ah, oh, ce magnifique coucher de soleil. Ah, je commence à voir les étoiles apparaître. Ça y est. C'est dommage que je puisse pas avoir genre ton écran en même temps, tu vois, que je puisse mettre genre dans un coin de l'écran en plus pour montrer du coup aux gens La jus de vision. la jus de vision, exactement. Tu veux des Alors pommes? non, c'est bon, moi j'ai toute ma vie, j'ai toutes mes cuisses et tout. Tiens, regarde le petit coin en bas là. Il pourrait être pas mal pour se faire une petite cabane, une petite maison, un truc sympa. Ouais, si on nettoie un petit peu la bande de terre, là, ça peut. Oui, justement. Justement. Puis on a le marais juste à côté, donc il y a peut-être moyen de filer une espèce de promontoire en pierre. C'est ça. Et puis on aura l'eau juste à côté, donc on n'a pas besoin d'aller chercher à perpète pour l'avoir. Bah, c'est la providence parce que je viens de trouver du fer. Nice. Ouais, T'as une donc pioche en du fer. pierre? Non, j'ai pas encore pioche en pierre, mais je vais en faire. Bah attends, 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 j'y vais, moi j'en ai une. Tu l'as trouvé où le fer? Là, dans la petite grotte, là. Là? Tu regardes en dessous, là. Ah yes! Oh oui! Yes. Et apparemment, de ce que j'ai vu, c'est un filon assez conséquent. Bah j'en ai. Là j'en ai 6, 7. J'ai 7 blocs. 7 minerais. Alors moi, je vais me faire une pioche. Hop! Par contre, moi il va me falloir. T'as pas un charbon, un truc comme ça là, vite fait hein? Moi, J'ai pas parce de charbon. que moi, avec le shader, dès que je vais rentrer dans une grotte, ça va être tout noir, je verrai plus rien, moi. Il faut forcément que j'ai une torche dans l'autre main. Tu veux que j'y aille moi dans la grotte? Bah, toi, vas-y, mais c'est que le jour où moi je vais devoir y aller, va bien me falloir une torche. Mais oui, ça va se trouver. Bon, après, il y a des animaux autour, donc. Alors là, du charbon, je viens d'en trouver. Ah, nice! Il m'en faut un. Il m'en faut un. Ouais, bah, tu vois, moi, étant donné que. Et encore du fer. Hop, je te pique juste un charbon. Alors attends, je vais te filer ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, tu l'as? Ouais, c'est bon. Tiens, regarde, hop! Nickel, j'ai la torche. Voilà, comme ça, je peux me balader avec de la lumière. Eh, il y a encore du fer là! Ben attends, mais il y en a encore là, juste là, là où je suis. Ouais, mais justement, je te le laisse. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas de pioche en pierre, moi. Et puis, comme j'ai pas de torche, je vais éviter d'y aller. Ah, t'as pas de pioche en pierre? Non, ben, pas encore, hein. Je vais m'en faire une. Ah, je croyais que t'en avais déjà. Ok. Bah attends, si Ah t'en non, as j'ai pas pas, encore si t'en as pas, je vais le prendre le fer. Oh la vache. Ça commence bien pour le fer. Ouais, au moins, on aura du matériel en fer Ouais. assez rapidement. On va pouvoir se Par faire contre. des seaux et des toutes sortes d'outils. Par contre, le charbon, ça va manquer. Ouais, mais ça c'est pas grave, on pourra prendre du wab pour faire du bon char. Ouais, enfin, le bois, c'est moins efficace. Bon, pour moi c'est pareil. Non, moi, je trouve ça moins efficace Par que. contre, je suis en train de voir là. Attends, option. Ah non, on est bien en difficulté difficile. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de mob encore là dans la grotte. T'inquiète, ça va venir. Je crois que j'ai entendu un squelette. Mais oh, j'ai encore trouvé du fer. Bon, on va pouvoir faire des sauts, des armures. J'ai trouvé du charbon. Ça, c'est chouette. Pas beaucoup par contre. J'ai fait des tontons à crever, donc on va pouvoir se faire des torches. J'ai encore trouvé du charbon. Prends-en tant que tu peux. Ouais, t'inquiète, je prends, je prends. Hein. On va peut-être songer à se faire un petit cabanon, une bêtise de ce genre. Merde. Ah, mais grimpe! J'entends Faut que de l'eau. j'enlève le saut automatique. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai désactivé aussi. Tu le désactives où ça par Dans contre? les contrôles. Dans les contrôles, c'est tout en haut, il y a saut automatique, tu vois, c'est écrit. Ah! Oh, j'ai un squelette avec un arc enchanté! Oh putain! Tais-le!
Waouh, mec, il m'a retiré deux cœurs. Oh, en un coup? Ouais, une flèche. Ah, il aurait fallu tenter de l'attirer dans le coin. Ah ouais, non mais mec, attends, moi j'affronte pas un squelette sans bouclier. Surtout en hard. Par contre, j'aimerais bien savoir où est passée ma table de craft. C'est moi qui l'ai, je te dis. Mec, Par il arrive, contre. le squelette, il arrive. Attention. Il est là, il est là. Il est en bas, il est en bas. Il va monter, tu crois? Je sais pas, je sais pas. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je veux pas monter, hein. Faut peut-être qu'on s'éloigne un peu. Allez, viens, ramène tes fesses. Ramène tes fesses, le squelette. Le soleil est encore haut dans le ciel. Ah, il veut pas, il veut pas. Petit, petit, petit. Ils sont devenus super intelligents, ils sortent plus. Waouh! Je tente de lui sauter dessus, là, d'où je suis, ça peut le faire. Ouais, faut qu'on lui saute genre à deux dessus. T'as pas une deuxième épée? Je peux t'en fabriquer une. Attends, attends. Il faut que tu lui sautes dessus au moment où il tire sa flèche. Je vais essayer de le. Attends, je vais faire deux épées en pierre, si t'en as pas. Tiens, j'ai une épée. Attends, vas-y, essaie de le. Bah ouais, mais t'as pas une deuxième épée pour moi? Je te l'ai lâché. Tu l'as lâché où? Celui-là. Bah. Attention, t'es prêt? Ouais. Attends. La petite flèche. Aïe, vas-y! Oh, il m'a fait trop mal. Ah, on l'a eu. Il m'a fait trop mal. J'ai pris trop cher. Ah, j'ai perdu masse de vie. Bon, par contre, si t'as. Ah, Non, j'ai. il a pas loot. Il a rien loot. Ah, putain, dommage. Dommage, Il m'a rien dommage. loot. Ouais. Alors, moi, je vais faire un four. Parce qu'on va en avoir besoin. Exonefen. Voilà, je pose mon mouton cru là. Parce que je commence à avoir faim. Moi aussi. J'ai 7 bœufs crus. Et une côtelette de porc. Je Ouais, vais bah poser une côtelette de tu porc. vas. Attends, je finis Je juste crois que ça et tu pourras les poser après. je vais faire un deuxième four. Ouais, ça nous fera peut-être gagner du temps. Bah, pose dans celui-là là, puisque j'ai utilisé un bon char pour le démarrer. Donc, pose dans celui-là. Merde. Voilà, comme ça, il tournera pas pour rien. Tiens, mets du chat. Bah, tiens, j'ai mis un charbon là-dedans. T'as mis un charbon. Ouais. Tu veux que je mette quoi, le fer? Vas-y, mets le fer dans celui-là, comme Attends, ça. je vais reprendre un peu de charbon de celui-là et on va le mettre là. J'ai du mouton cru aussi. J'en ai récolté beaucoup de la viande. Donc, Voilà, comme ça. Hop, j'ai le petit succès. qu'est-ce que je voulais faire avec les pierres, moi? Ouais, d'abord, je vais peut-être utiliser mes outils en bois. Histoire d'être le plus économe possible. On a du bois en suffisance, hein. J'ai un stack de 64 planches de chêne. Ouais. Alors moi j'ai commencé par faire un seau, comme ça on pourra transporter de l'eau. Ouais, on va en faire quoi de cette eau? Bah on va se faire un champ. Ah oui, c'est pas faux. Bah, je vais peut-être commencer à récolter du blé alors. On va s'en faire un champ. Alors moi j'avais commencé à casser un petit peu le chemin là, voilà, ici, hop. Voilà, pour aplatir un petit peu tout ça. Je viens de récolter 5 blés, 6, 8. En vrai, ça irait plus vite avec une pelle. Mais la pelle, ça bouffe trop de ressources. Et je suis en train de regarder champ de vision. Non, je suis bien à 90. Je me demandais justement combien j'étais. Et au fait. Mec, je reçois mon nouvel écran demain. Ah, t'as pris quoi? Un Asus TUF.
en tuf. J'ai compris un Asus Q. Non, tuf. Il est en 1440 pixels. Donc Ouais. il a une meilleure résolution que le 1080. Il monte à 160 MHz de rafraîchissement d'image. Donc du coup, je pourrais monter au-dessus de 60. Il a un temps de réponse de 1 milliseconde. Il est KO compatible HDR, je sais plus quoi là. Il a le Ultra Low Motion Blur. Ce qui fait que je vais avoir un truc putain de fluide. Un donné, mais une silence, c'est pas ça. Hein? Il fait nuit. Va faire nuit, faut que tu remontes. Non mais je sais, non mais me remonter d'où? Bah, je sais pas où t'es en fait. Je suis en train d'aplanir le terrain là. Ouais, mais à quel endroit exact? Ah, je te vois. Tout Hop. simplement. Tout simplement. Je suis juste là. Alors. Ah d'accord. Bah moi j'aime bien le pelle en bois. Je t'en fais une aussi. Non, 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 fais pas de pelle, ça sert à rien les pelles. Ça casse plus vite les blocs de terre, mais en vrai, c'est gâcher des ressources pour rien. Moi je m'en suis fait une quand même. On va pouvoir faire des murs en bois. Ouais. Là, j'ai plus de pelle. Je t'avais dit que ça servait à rien, c'est gâcher des sources pour rien, ça pète trop vite ces trucs-là. On casse les blocs presque en même temps. Ouais. Ah dommage, on est plus synchro. Le jour de la bouse est arrivé. Mec, n'importe quoi. Faut bien meubler le silence là, on entend rien. D'ailleurs, faudra peut-être sur Minecraft. Qu'est-ce que tu dis? On va peut-être choisir des groupes dans Minecraft. Attends, ce que je vais faire par contre. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait déjà un petit peu moins de bruit. Parce que le son était quand même sacrément fort dans le casque. Je crois qu'on peut s'arrêter là, hein, c'est largement suffisant. Non, moi je continue un petit peu. C'est jamais suffisant, faudrait tout aplatir.
Ah si, ça fait quand même un bon terrain. Hop, il y a un zombie quelque part. Oh, peut-être en dessous. Je ne vois pas. Bon, on a 28 lingots de fer. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, pour l'instant, on les stocke. Ok. Je me serais bien fait une pioche en fer, mais pour l'instant, on n'a pas assez de fer pour se faire une pioche. Non, ouais, on va attendre un petit peu avant de se faire de l'équipement et des outils en fer. Qu'on construise qu'il y ait un peu quelque chose. Parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment utilité. Ah oui, je l'ai entendu, le zombie, effectivement. Sinon, au pire, ce que tu fais, c'est tu délimites un terrain pour la construction. Genre, Bah, je pense que j'ai besoin de délimiter un terrain, tant je vais prendre un peu de hauteur. non, mais ce que je veux dire par là, c'est tu poses les quatre coins de la maison avec des blocs de terre, comme on a que ça, et puis moi après je construis autour. Enfin, je construis ce qu'on a à construire, quoi. Alors, ouais, ça me paraît pas mal dans ce coin-là. Par contre, il faudrait des coins un petit peu défendables. Parce que là, le problème, c'est qu'on est dans une cuvette. Ça va. Si on se fait un truc en longueur comme ça, là, dans ce sens-là, là. Tu vois, on se fait un rectangle, pas forcément que la maison soit carrée, mais un petit rectangle comme ça, dans ce sens-là. Un petit peu plus plat. Tac, ici ça me paraît bien. Il faudrait compter les blocs par contre. 6, 7. Moi, je la voyais pas dans ce sens-là, je la voyais dans l'autre sens. Parce que Genre là, 3, 4, ouais, mais 5, 6. pas aussi proche de ça là, pas aussi proche de ça là. Ouais, Attends. plus vraiment vers le milieu. Là, t'es trop proche de l'autre bout là-bas. 3. Hop. Donc là, on aurait ça. Nous fait un carré. Pas exactement. Ah, tu veux prendre tout le terrain complet là? Non, pas forcément. Parce que si tu fais ça, après on a plus de place pour faire de champs. Tac. Si, si, on aura de la place pour faire des champs, t'inquiète. Je prends un peu de hauteur. Si, si, on aura de la place pour faire un champ. Faudra peut-être boucher un peu ce lac là de la bouse. Ouais. Puis on fera notre champ par-dessus. Mais avant de le boucher, il faudrait qu'on se fasse un point d'eau quelque part. Ah bah non, on a de l'eau là-bas, j'ai rien dit. Bah oui, on a de la flotte partout. J'ai rien T'en prends un dit. peu avec un seau et puis c'est bon, hein. Attends, parce qu'il y a peut-être des trucs à récupérer là. Ouais, le sable. Bah ouais, déjà le sable. Et puis il y a de l'argile, je crois. Ouais, pour faire de la brique. Voilà, le sable, Voyons. ça va être très utile pour faire des vitres. Dans l'agencement de la fondation. Non, ça me paraît correct. Bon, bah si ça te paraît correct. Bah voilà, moi je voyais un truc en L. En L. Ouais, en L. Une baraque en L, comme ça permet d'avoir plusieurs pièces. Et l'avantage, c'est qu'on peut rajouter d'autres compartiments à notre baraque plus tard. C'est pas une mauvaise idée. Oh,
c'est pas mal. Par contre, le soleil va bientôt se coucher. Ouais, t'inquiète. Là, je crois qu'on a trouvé un spot qui est parfait. Récupère encore un peu de caillasse. Pas de torche, toi. Histoire de péter la pioche en bois que j'ai. Ben voilà, c'est fait. Y a rien là. Je vais dire qu'est-ce que j'ai foutu de ma bouse. Le sable, on en fait quelque chose ou pas? Bah, de la vitre. Hein? De la vitre. Après, j'ai déjà 47 blocs de sable sur moi, donc est-ce que toi tu t'en veux plus? Ouais, il en faudra plus. Eh bah, écoute, on en ramasse plus alors. Je recouvre pas le sable. Le sable qui est au fond là. Ça qui fait vie, là. Vite, vite, allons-nous coucher avant de Bah faire moi ça. moi je suis déjà couché, je t'attends. Ah, ça y est. Ok. Voilà, il y a du temps à se péter le lit. La vache, est-ce qu'il y a comme sable dans ce lac? Bah ouais, t'es sûr que c'est un lac? Un petit étang, ouais. Ah, il y a un zombie qui crame quelque part. On va récupérer la charcuterie pour les potions. Ah, mais Il il est est là. juste là! Voilà, je l'ai tué. Je me disais, putain, le bruit il se rapproche et tout. Bon, je pense que niveau sable, on devrait être pas mal là. On n'a pas non plus le but de construire un palais de verre. Pourquoi pas? J'étais sûr que tu me répondrais ça. Regarde comment je nage. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Une vraie petite sirène. Même la petite sirène à côté de toi, elle passe pour un blobfish. C'est vrai que ce poisson-là, il sait pas nager. Eh, tu sais quoi? Je crois qu'on va pas avoir assez de terre pour reboucher le tout. Juste un peu en surface et puis c'est marrant. Voilà, moi j'ai personnellement j'ai plus de terre. Alors voyons voir comment tu l'as faite. Comme ça. Ok. Voilà, on va. Est-ce que tu as des bûches? Des bûches-bûches. Non, c'est plus de bûche, mais je peux aller en récolter. Des bûches-bûches-bûches. Bah non, je vais le faire, attends, t'embête pas. Je vais le faire. Ah mais il me faut des bâtons. Est-ce que tu as des bâtons?
Bâton. Le temps fait. Oh. J'ai plus. T'as tout transformé en planche? Okay, ouais. Ouais, t'es un malade, toi. J'ai plus de terre par contre. Hop, petite machette. H. C'est moi ou l'arbre il a été tondu sur le côté là? Oui, il y a de grandes chances qu'il ait été tondu. Le pauvre, il a rien demandé sur le côté, il a complètement fini à poil. Ok, donc moi je veux du bois de chêne. Tondeuse cosmique. Bois de chêne. Il a l'air d'en avoir pas mal là-bas. Alors le soleil là-bas. Donc là je me dirige vers le sud-est. Sud-ouest, je sais plus. Sud-ouest. Je mélange toujours les deux. Je sais pas quel côté ma droite et ma gauche. Parfait, il y a tout ce qu'il faut au niveau forêt. Simple, Voilà. dis-toi que si dans une direction c'est ta droite, eh ben en fait c'est ton autre droite. Ah, d'accord. Ouais, effectivement, si je pointe ma droite vers la droite, est-ce que pour toi c'est vraiment ma droite? Non. Bah si, puisque c'est ma droite. Donc forcément, ça peut que être ma droite. Oui, non, mais tu sais bien, moi je suis cinglé et je réfléchis pas donc. Ça peut pas être ma gauche. Mais par contre, si je te montre ma droite, pour toi, du coup, c'est pas forcément ta droite. Ça dépend si tu me regardes ou si tu me tournes le dos. Bah, c'est comme quand on regarde un 6, mais d'un point de vue différent. D'un point de vue différent, ça peut être un 9. C'est ça. C'est comme un poulet. Un poulet, tu vois, si l'on regarde d'un autre sens, ça peut ne pas être un poulet. Bah, à ce compte-là, c'est comme le tableau de Magritte, hein. Ça se trouve, Ceci ça peut n'est être une pas chèvre. Ceci n'est pas une pipe. Du coup, est-ce qu'on peut dire ça quand... Ah bah non. Bah non, ça marche pas. Parce qu'à l'origine, ça s'appelle pas une pipe, ça. Ah D'ailleurs, ouais? pourquoi est-ce qu'on a appelé ça une pipe? Je sais pas, parce que tu peux pont à travers. Ouais. J'en sais Je suis rien. pas vraiment convaincu, mais... J'en sais rien moi non D'ailleurs, en plus. parlant je vais me griller un cigare, tiens. À défaut de fumer de la clope, je préfère fumer le cigare. Ouais. Ouais. Très bien. Alors. Ah, il laisse rien. Ah si, il a laissé tomber des bâtons. De qui ça? L'arbre. Lequel arbre? Bah l'arbre qu'on avait dit qu'il était rasé comme un albâtre. Ah oui, bah en même temps, ils lâchent tous des bâtons. Même des fois, ils lâchent des pommes. Tu peux Ah avoir des bah là, trucs tout à l'heure, sympas. on avait ramassé plein des pommes. Je les ai toutes bouffées. Oh le mec. Même pas, il m'en a gardé une, quoi. J'ai laissé une petite partie du lac. Ouais. Ouais, pour qu'on puisse faire un champ dans cette étendue-là. Ouais. Ouais. Tiens, bah il y a un mouton là. Nickel. L'avantage, c'est qu'on a assez de place pour faire l'élevage. Ah, ça en est là. Putain, mec, tu sais pas aligner des blocs. Quoi, je me suis fail? Oui, complètement. Où ça? Bah là, ici, là, ton bloc, il était là où il y a le trou, et regarde en face. Ah merde! T'es pas Ah bah excuse-moi d'avoir un œil qui dit merde à l'autre, hein. Hop. 5, 6, 7, et
Je vais me faire engueuler maintenant, je n'y crois pas. Ouais, là par contre, on va pas être copains bien longtemps. Où est ma pioche? On va l'étendre un petit peu. 3, 4. Pioche! Rendez-moi ma pioche! Nom d'une bite en sucre! Oh, on va se faire un petit truc, voilà, allongé comme ça, un vrai L. Est-ce qu'il te resterait du charbon? 6. Ah merde! Parce que j'aimerais bien pouvoir me faire une torche. Ah, par contre, une torche, je peux t'en passer une. Ouais, mais par contre, moi, je pourrais pas m'éclairer avec. J'ai pas de shaders. Ah. Bah, en vrai, t'as pas besoin de shaders, il faut juste Optifine. Ouais, enfin bon, là, on va pas. Je vais pas quitter le jeu pour réinstaller Optifine. Ah bah non, bah oui. Putain, non, faut que je me casse, il y a un zombie. Non, je peux pas aller récolter, il y a un zombie qui garde la porte. J'espère qu'il m'a pas suivi. Non, il a pas l'air de m'avoir suivi. Bon, je fais un truc simple, hein. Je fais pas de ultra méga design super stylé. Pas besoin de se prendre le chou, hein. Voilà, et on va faire une ouverture de ce côté-là. Une ouverture, on va la faire genre comme ça a l'air pas mal, là. Est-ce que tu peux me passer toutes les planches que tu possèdes, s'il te plaît? C'est tout? Ah non, d'accord, ok. Ouais. Voilà, c'était tout. Ok. En vrai, t'as pas Par contre, grand-chose. je vais commencer à griller du sable. Vas-y, vas-y. Voilà, moi je pose mon pieu là comme ça. Hop, j'aurai juste à dormir dès que le soleil sera en position. Je vais aller récolter. Non, faut aller dormir. Ça va, tu peux attendre encore un peu avant de dormir. Hop. Merde. C'est bon, tu peux dormir. Allez, viens. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas joué à Minecraft. La même. Donc. Je verrai après pour le dimensionnement des fenêtres. Hein, d'abord, je fais un gros. Merde, je fais un gros truc. Je fais un gros truc à l'arrache et puis on verra après pour les fenêtres. Je compte pas en faire trop large non plus parce que ça sert à rien. Du moment que la lumière rentre bien, c'est bon. De toute façon, je suppose qu'on va foutre des torches partout à l'intérieur. C'est logique. Mec, je veux pas voir un bloc du sol ne possédant pas une torche. Un seul bloc du sol qui n'a pas de torche, ok. Non, arrête tes conneries, on va niquer tout le charbon qu'on possède. Surtout qu'il nous en reste des masses du charbon. Bah ouais. Il va falloir qu'on creuse maintenant. Ah, je viens de voir que ça fait à peine 40 minutes que le live y tourne. Ça veut dire que j'ai eu un problème de connexion à un moment, que ça a coupé. Ah,
Ah, mais c'est peut-être pour ça tout à l'heure que dans le chat j'ai vu un Welcome to the chatroom. Ah, ça expliquerait. Ça explique tout. Bah ouais, mais moi je suis emmerdé avec ça parce que à chaque fois j'ai toujours des resynchronisations de lignes ADSL intempestifs qui me pourrissent mon expérience internet à chaque fois. En fait, c'est toujours quand je joue que ça arrive le plus fréquemment. Surtout les jeux en ligne. Et c'est tellement chiant. Mais Ça, c'est vraiment pas bonne tu chance. peux pas imaginer, t'es là, t'es en train de jouer et tout. T'imagines, tu joues sur un Valorant, un League of Legends ou un truc dans ce genre-là, et là t'as ta ligne internet qui fait resynchronisation de la ligne ADSL. Veuillez patienter. Votre Ah! temps d'attente est estimé à 10 minutes. 10 000 ans. Ah non, mais c'est horrible, ça met énormément de temps en plus à resynchroniser, c'est super long. Voilà, comme ça j'ai un lit qui plane. What? Mec, c'est quoi? Mais je suis devenu nul à chier en saut. Ah, voilà. Ah merde. Oh, Lol. plus de baisse. Voilà, je plane aussi. Oh, ça descend à une vitesse. Oh, j'en ai déjà plus. Va falloir que je retourne chercher du bois. C'est vrai que ça descend à vitesse grand V, ça. Ça va, il t'en reste suffisamment ou pas? Ou je refais des planches? Ça a l'air d'être bon. Ah tiens, viens mettre une planche juste au-dessus là, ici et en dessous. Juste là où t'es tombé. Voilà, nickel. Voilà. Alors, ça commence à avoir de la tronche. Maintenant, il faudra faire un tour. T'inquiète, on va se faire une hauteur sous plafond assez élevée. Parce que moi j'aime bien les hauteurs sous plafond. Ouais. Je vais chercher du bois. Avec des poutres apparentes. Poutre. Poutre. Poutres. Il me faut pas grand chose pour rigoler. Hein. Non. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Hein? Tu veux voir ma grosse poutre, Billy? Alors. Attends, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton courir, j'appuie sur le bouton s'accroupir. Faudra qu'ils se mettent d'accord dans les jeux vidéo pour définir les mêmes touches partout. Jeu vidéo, un jeu vidéo. C'est ça, un jeu vidéo des jeux vidéo, c'est comme un cheval des chevals. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Des chacos. Un chacal des chacos. Oui. Ouais, ça commence à avoir de la tronche. Alors pour le bois, moi il me faut du bois de chêne. Je sais pas ce que t'as été chercher là-bas, mais il me faut du chêne. du bois de chêne. C'est du bois de chêne, ça? Bah oui. Ah bon? Bûche de chêne. J'ai 14 bûches de chêne là dans mon inventaire. Les arbres des marais, c'est du chêne. Ah bon? Ah bon? René Ah! con, un balai, comme un balai en moins poilu et plus épais. Je vous demande pardon? Donc ça, t'as dit que les arbres comme ça, c'était du chêne. Oui, c'est du chêne. Étonnant. Ah, ça donne plein de pommes et plein de bâtons.
Et les bâtons, on va pouvoir se les carrer dans le fion. Oh, Ah j'ai fait une oui! rime. Effectivement, c'est bien du chêne. D'accord, je pensais que c'était autre chose, moi. Tac! Mais c'est génial! C'est génial! Je crois apercevoir quelque chose dans le marais. Respectez la nature, ne coupez pas les arbres. Non! J'ai besoin du bois pour me chauffer! Ah, il y a un village. Sérieux? Ouais, il y a un village. Dans quelle direction? T'es où? En fait, il faut traverser le marais et le village est juste là. Je vois un golem. Il y a un Ouais, golem de mais fer. je veux bien, mais dans quelle direction? Bah, tu vois où est le marais? Ah, tu veux dire là-bas? Non. Ouais. Non, c'est pas Ouais. là-bas. Mais je suis perché sur un des arbres du marais et là, je vois. Ah, je te vois là. T'es dans quelle direction? Ah, mais tu regardes à l'opposé de moi! Tu m'as dit qu'il fallait traverser le marais. Traverser le marais Bah oui, là. faut pas marrer. Alors attends, je vais essayer de te rejoindre. T'es où? Ah. Mais tombe pas. Et tu dis que là-bas il y a un village. Aïe. Ouais, village là-bas. Ah yes, exact! Exact, ouais, on ira demain matin. Ouais, parce que la nuit va tomber. Voilà, exact, ouais, je l'ai vu le village, effectivement. Ah, je me suis brisé le genou. Ah, bah fallait pas y aller, hein. Bah, fallait pas y aller. Donc, la table craft que je t'ai volée. Faudra récupérer ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Tiens, On a du verre. t'as le fer? Ouais, j'ai le Eh fer. ben, tu nous fais une porte en fer, s'il te plaît. Il nous faudra juste des plaques de pression. Je m'occupe des plaques de pression et quelques boutons. Normalement, ça t'en fait 3 si je dis pas de conneries. Ouais, trois portes en fer. Nickel. Donc, plaques de pression, il va m'en falloir 3. Voilà, donne. Donne, 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 donne. Bah donne les 3. Ah, nice. Y a des zombies. Tu viens m'ouvrir? Merci. Faut que je fasse des boutons. Tu viens m'ouvrir? C'est le mec pas chiant déjà. Venez nous enculer, les zombies, on vous attend! Nickel. Voilà, c'est parfait. Ah, ça c'est nickel, ça avance. À ta santé. Merci. Il te reste des planches pour faire le coffre? Ouais. Je peux en Ok. refaire des planches. Tu J'ai encore de la vie. fais 2 coffres du coup, tu sais, l'un à côté de l'autre, pour en faire un grand. Comme ça, on peut y mettre tout le bordel qu'on a. Est-ce qu'on a récupéré ce qu'il y avait dehors? Non. Alors. What? Ah, j'ai récupéré. D'accord, j'ai récupéré du verre. Hop, voilà, j'ai placé un coffre à bordel. Que je vais commencer à remplir. Alors, la bouse, on n'en a pas besoin.
J'ai récupéré du cuir aussi. Ouais. Cuir, cuir! Des fenêtres trop larges, ça sert à rien. Et moi, je vais faire un petit tour au village. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, et maintenant on va poser nos vitres. Et une en moins. Ça commence bien. Oh, il y a encore une en moins. Génial. Et merde. Eh mais je fais vraiment n'importe quoi, moi. Je suis en train de casser toutes nos vitres. Ah bah bravo! J'aurais Non, dû. c'est bon, Ouais, t'inquiète, il en reste plein. Voilà, déjà, moi je fais de la place dans mon inventaire. Ouch. Et ben, monsieur, c'est. bonjour! Ça commence à être pas mal Il si y tu a des trouves des. objets! Si tu trouves des carottes, des pommes de terre, tous ces trucs-là. Bonjour le golem. Ah, il y a un chat. Nice. Hey, monsieur, monsieur. Ah, d'accord, il faut de l'émeraude. Oh là là, il est tellement mal construit ce village. Ah, ça, c'est la génération de la map automatique, hein. C'est truc aléatoire. Ça fait jamais de bons trucs, hein. Du cuir, une botte de cuir que je vais mettre. Oh, il y a un bloc de fer. Un bloc de fer. Ah non, c'est une roche lisse. Par contre, le chaudron, je vais le prendre. Ouais, le chaudron, ouais, tu peux le prendre. Est-ce que tu vois comment ça Il y a un s'appelle? banc de scie. Un banc de scie. Tailleur de pierre, je vais le prendre. Ouais. Bon à fabriquer. Un alambic, voilà, j'étais en train de chercher. Il n'y a pas un alambic qui traîne pour les potions et les trucs comme ça, non? Attends, je vais voir. Je suis en train de visiter les maisons. Je prends tout ce qui peut nous servir. Les portes en bois, je les prends. Ah, les torches. Je pourrais peut-être prendre des torches, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être une bonne idée, oui. Que si on veut faire du commerce, vaudrait peut-être mieux leur donner un moyen de survivre aux pauvres PNJ. Non, mais t'inquiète, ils survivront sans ça, ils en ont pas besoin. Non, non, je leur prends pas leur torche. Ça, par contre, comment est-ce que je fais pour descendre? Parce que là, c'est la fleur de falaise, leur affaire, là. C'est le chef du village, il s'est dit, et si je construisais un village juste là sur le bord de la falaise avec une pente à 99%? Ah non, mais tu verrais comment c'est agencé leur affaire là. Ouais. Non mais Ah oui, c'est moi j'ai vu un village PNJ. C'était magique parce que t'avais une montagne avec une falaise qui était vraiment mais avec une pente à 100%, genre tu pouvais pas la grimper. T'avais la moitié du village qui était en bas et l'autre moitié qui était en haut. ouais, non, mais là, c'est pareil. C'est pareil. C'était n'importe quoi. Genre. Le truc à compte, je vais le prendre. Mec, t'imagines pour acheter du pain? Oh, boulanger! Quoi? Vends-moi deux baguettes, s'il te plaît! Qu'est-ce que C'est exactement ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, un bon d'archerie. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est bien une table d'archerie, ouais. Si t'as une table de cartographie, par contre, ça peut être intéressant. Ouais, faut voir ce qu'il y a. Il y a un lit jaune que je vais prendre au cas où. Un Oh lit putain! jaune? Il y a des creepers! Y a des quoi? Des creepers, des tas de creepers! Ah ouais? Il est piégé le village? Me sauter à la gueule! Je les ai entendus, ils étaient derrière moi, ces empaffés.
Ouais, parce qu'il y a une grotte en fait. Il y a une grotte et les creepers ils sortent de la grotte, ils spawnent là-dedans. Non, c'est bon, ils m'ont lâché. Ils m'ont lâché. Mais tant mieux pour toi. Non, ici j'ai déjà visité. Ah ouais. Il n'y a pas d'autres baraques? Il n'y a pas d'autres baraques? Il semblait en avoir vu plus pourtant. Ouvre les yeux. Vais prendre un peu de hauteur. Comment tu veux grimper? Je vais me regarder quand même pour me faire une nouvelle pioche parce que sinon je vais pas pouvoir m'en refaire et récupérer de la pierre, ça va être chaud. T'as un champ de fleurs là, mon pote. Ouais. Ah ouais. Il y a des fleurs absolument partout, ça doit grouiller d'abeilles. Du coup, avec les abeilles, il y a moyen de récupérer le miel. Ouais. Parce que j'ai jamais joué, moi, vraiment à la version. Enfin, je me suis arrêté à la 1.14.4. Donc, celle avec les abeilles, j'ai jamais vraiment joué. Je sais pas Par si on contre, peut faire des trucs bien avec. je me demande comment faire pour récupérer le miel, j'en ai aucune. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a un risque que si tu pètes la ruche, de te faire attaquer par un essaim d'abeilles énorme? Énorme, non, parce que les abeilles, c'est un. Mais à mon avis, je crois que ça attaque seulement si on les provoque. Ouais, bah justement, si tu t'attaques à leur nid. Mais je crois qu'il y a des moyens de les calmer et de récolter le miel sans détruire la ruche. Avec un seau, tu crois? Ouais. J'en sais rien, hein, je propose juste ça comme ça, hein, on sait jamais. Je sais pas comment on fait. Bon, par contre, j'ai rien trouvé de plus. Ok. Et je sais plus du tout dans quelle direction il faut que je me rende pour revenir à la maison. C'est pas grave. T'as un lit sur toi, un lit jaune, t'as dit. Tu vas dormir dedans au pire. Merde. Ah ben non, j'ai rien trouvé d'autre, mais on reviendra au village pour faire du commerce éventuellement. Récupérer de l'émeraude dans un coffre. Ouais. Ouais. Les émeraudes, ça c'est bien, ça va être utile pour faire des échanges et tout avec les PNJ. Ah, je te vois. Et voilà, j'ai récupéré plein de trucs. Bon, moi j'essaye Alors, du que coup. j'ai réussi à récupérer. J'ai récupéré un peu de pain, il y avait un peu de cuivre, de l'émeraude, Ouais. série composteur, un lit jaune, un tailleur de pierre et un chaudron. Ok, bah attends, viens, on va se coucher parce que la lune se lève, le soleil se couche, il commence à faire nuit. Je vois presque plus rien. J'ai déjà failli me faire exploser par des creepers. Ouais, ça aurait été marrant que je vois dans le chat du jeu. Jute s'est fait exploser par un creeper.
Du coup. Tiens, t'as fait de l'argile. Non, j'ai pas fait de l'argile, j'ai récolté de l'argile. Va peut-être placer les fours, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, vas-y, vas-y. Aïe, merde, j'ai plus de planches. Ah, et puis on a plus de bois. Je vais en chercher. Ah. Ah. Je me sens mal. Oh, j'ai plus de bois. Eh, Je vais en chercher. en vrai, c'est pas mal de l'intérieur. Ça fait une bonne hauteur sous plafond, c'est stylé. Enfin, stylé. Faut aller de plus en plus loin pour aller chercher du bois, par contre. Ça va voir. Oui, il faudrait qu'on replante à proximité pour que ça repousse. Ouais. Du coup, ça, hop, moi je vais le déplacer. Je vais mettre ça là, ici au bout. Ça m'a fait peur, le truc qui a cassé là. Waouh, il y a une grosse grotte là-bas. Voilà, au pire, on s'en fout de savoir à qui et à quoi. On pose ça. Hop, Ah ben, j'ai plus de hache. on verra bien. Alors. Ah non, ah non. Quoi? Hop. Voilà, une quinzaine de bouts de bois. Tu l'as mis où le chaudron? Je l'ai pas encore placé dans. Ah, t'aurais dû me mettre dans le coffre. T'aurais dû Ah, me mettre dans le bah coffre. attends, je reviens. Je termine cette arme. Je suis à toi. T'en as pas un deuxième chaudron? Non, j'en ai Bon. trouvé qu'un. Ok, c'est pas grave. Je vais placer ça comme ça. Tu le mettras dans le vide où il y a le. Dans le vide entre la table craft et le four. Qu'est-ce que tu veux en foutre? Bah, ça peut servir pour mettre de l'eau. Ça nous fait une réserve d'eau supplémentaire. Ouais, j'ai rien d'autre de spécial à placer. Ah merde. Mais quel pas doué. Ah si, je vais aller chercher. Je vais chercher vite fait un peu d'eau. Et paf! Voilà. Ça fait des chocs à pic. Le chaudron, il est rempli. Ouh! Un composteur. Ah oui. Ouais, ça va Table servir. d'archerie. Coffre. On n'a pas un deuxième à coffre? Non, j'en ai trouvé qu'un, mais je Ah, peux en refaire un. dommage. Ouais, non, 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 on va pas en refaire un tout de suite. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ah, yes, t'as des bûches là. Des bûches de chêne, je te les pique. Ouais, tu peux, c'est fait pour. Je te les pique et je vais pouvoir terminer ça là-haut. Enfin, je vais pouvoir terminer. Je vais pouvoir faire du moins. Et merde. Faire ce que je peux avec ce que j'ai. Il y a du sable encore. C'est pas possible. Voilà. Y a une ruche pleine là, ici. Comment tu sais qu'elle est pleine? Parce qu'elle déborde de miel. Il y a du miel absolument partout. Intéressant. Essaye de voir comment on la récolte. S'il suffit juste de cliquer dessus ou s'il y a un truc Non, particulier à j'ai faire. essayé de cliquer dessus pour la récolter, mais j'ai pas réussi. Attends, t'es où? Je vais venir avec un seau pour voir. C'est où? Je t'y emmène.
Wow. Hey, mec, il y a une sorcière dans le coin. Ah bon? Ouais, je l'ai entendu. Ça a fait. On va peut-être éviter de la croiser. Bah, elle était là, la ruche. À moins que je me gourde d'arbre. J'ai lâché une caisse. C'était ça le bruit là? Oui. Attends, on aurait dit que tu déplaçais un meuble. Fais des pets qui déplacent des meubles. Ah, mais c'est la ruche de tout à l'heure qu'on a croisée, donc c'est l'arbre qui est là-bas. À chaque fois, je sais plus de quel arbre il s'agit. Putain, mec, mais t'as un sens de l'orientation qui est complètement pourri! Ben oui! C'est là, c'est ça. Explique-toi. Ouais, c'est là. Bah écoute. T'as pas ramené de seau? Si, j'ai un seau dans la main, mais. Écoute, ça a pas l'air de donner quoi que ce soit, donc je sais pas comment on récolte le miel. Peut-être que si je la casse. Attends, moi je m'en vais. Vas-y, tu peux y aller, je me casse. Oh là, oh là, oh là! Ah! Ah! Help! T'as été empoisonné, je peux rien faire pour toi, mec. J'ai été empoisonné! Bon, t'as de la chance, il y en avait qu'une. Et donc, du coup, t'as ramassé la ruche? Non. Non? Oh non, mec, t'as pété une ruche pour que dalle! Ah, oh, je suis Ah deg! putain, l'abeille, elle est encore là! Bah, elle est morte. T'as tué une abeille! T'es un Pas grave, sans-cœur! j'en ai d'autres. T'es un monstre! Non, bah du coup, ça je sais pas comment récolter du miel. Tu es monstrueux! Tu ne mérites pas de vivre! Ah, j'ai encore plus de Toi, planches! ça faut que j'aille chercher du bois. Ouais, esclave, va chercher. J'ai l'impression que le réseau il a un petit peu de mal à assumer à la fois le stream et le Minecraft. C'est pas qu'une impression. Après, bon, tu joues sur ton téléphone aussi, enfin avec ton téléphone. Ouais. Bah ça tient relativement bien, hein. Ça pourrait être pire, je veux dire. Voir que qu'on fasse un petit peu d'éclairage là-dedans. Voyons voir si je prends ça. Est-ce que ouais, non, par contre ce serait cool qu'ils me mettent pas les deux ah, un petit peu. C'est pas comme ça qu'on fait. Ou alors c'est comme ça. C'est comme ça. Ah. Ça dit plus rien dans le stream là. Dans le stream? Quel stream? Non, mais enfin, je veux dire, on dit plus rien. Du coup, ça fait un stream qui est très silencieux. Ah, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Mec, t'es tellement en train de bugger.
Ah bon, pourquoi? Ah bah, je sais pas, t'es en train de parler, ça fait des et du coup on comprend rien de ce que tu dis. Je sais pas où t'es, mais si tu pouvais rentrer à la maison, petit enfant. Pourquoi? Ah d'accord, je comprends. Bah oui. Oui. Bah je sais pas où je suis non plus, donc Oh là là, mais quel trou de balle. je te merde. Je te merde au cul, ouais. Ouais, ah mais je te vois, je vois ton prénom. Enfin ton prénom, je vois ton pseudo. Ouais, c'est mon prénom. Tu sais qu'il y a une double porte de l'autre côté de la maison qui t'évite de faire tout le tour. Merde. C'est vrai, il y a une sorcière, hein. Je l'ai entendu. Lord Chute. Il y a une sorcière dans le coin. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là, je la vois. Fais gaffe, elle vient de boire une potion. Ah merde! Elle m'a empoisonné. Ah c'est bon. Elle a rien looté. Si, de la poudre lumineuse. Mais je vois pas ce que Ah. je pourrais en faire pour l'instant, puisqu'on n'a pas de quoi faire de potion. Donc voilà. Pas mal la petite hauteur sous plafond. Oh, c'est stylé les rayons de lumière là. Waouh. Ah ouais, pas mal. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je Oh, bois c'est tard beau. de fois. Hop, je te termine le plafond. Ok, nickel. Moi, je vais pouvoir placer la dernière lanterne du coup. Alors. Nickel. Bah voilà, Voilà. passe un peu exigu pour faire des choses pas très catholiques. Ah Twerk. merde, j'ai activé les touches rémanentes. Désactiver sans raccourci clavier dans options. Attends, je vais désactiver ça parce que c'est autoriser toutes les touches en raccourci pour lancer les touches rémanentes. Appuie sur la touche à chaque reprise pour activer et désactiver. Voilà, ça je vais désactiver. Appuyer de façon prongée sur la touche Verunum pendant 5 secondes pour activer les touches bascule. Je désactive ça aussi. Appuyer de façon plongée sur la touche Maj droite pendant 8 secondes pour activer les touches filtre. Hop, on enlève aussi. Afficher un message lors de l'activation des touches rémanentes. Mettre un son. Donc maintenant que je les ai désactivés, c'est bon, ça devrait plus me le faire. Par Alors. contre, moi, j'ai toujours pas de Yes. torche. C'est bon, bah moi j'en ai plus. Il aurait fallu torcher. Putain, il y a une araignée là-bas. Il aurait fallu torcher notre grotte. Bah, attends, viens là, viens là, viens là, je vais en faire des torches. Par contre, je peux en faire que 4. Je vais éviter d'en faire trop. T'es où? Tiens, j'enfile 2, j'en garde 2. Hop, on va voir ce que je peux faire avec ça. Ouais. Oh putain, il y a un creeper. Et il m'a vu. Aïe 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 aïe, il y a un squelette. Il n'y a pas que On du se casse. creeper. C'est moi ou t'as des bottes en peau? Derrière toi. Le fais pas exploser, hein. Nice. Par contre, fais gaffe, le squelette, il est toujours il est mort. What? Et... Mec, tu me donnais des... Tu me faisais perdre des points de vie avec ton épée. Ah merde! T'es sûr que c'était moi? Oui, parce que c'est le... Tu sais, quand tu frappes, là, le... Comment ça s'appelle?
sais, t'as une animation en fait de De vitesse d'épée, frappe. là, de frappe, là, t'as une animation de frappe. Et ben ça, en fait, ça fait des dégâts sur un groupe d'ennemis. Et comme j'étais dans ta zone de frappe, et ben du coup, tu m'as Ah fait, putain. tu m'as blessé. J'arrive par en haut. Il est derrière toi. Ouais, je l'entends, je l'entends. Il est mort. J'ai trouvé du fer. Aïe. Ah, je savais bien qu'il m'en manquait un. Mec? Putain, c'est pas vrai. Mec? Attends. Il faudra qu'on se fasse. Il faudra qu'on se fasse des boucliers pour les squelettes. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Absolument tout. Ah, du charbon. Trop bien. Je sens que je vais me faire agresser par un zombie. Je les entends, ils sont tout autour. Hein. Ah, il y a encore du charbon. Oh non. C'est une araignée, ça. Ah, mais tu m'as fait trop peur, mec. J'ai cru que c'était un mob. Non, c'est bon, ils peuvent pas monter. Ils peuvent pas monter? Ouais, regarde, ils sont, regarde où ils sont bloqués. Ah ouais. Bah écoute, tant mieux. C'est une torche. Ouais, mais t'en fais quoi tes torches? Tu te les fourres là où je pense? Non, je les pose. Oh putain, il y a un zombie villageois. Il est mort. Ah putain, creeper. C'est tellement buggé. Bon voilà, je l'ai tué avant qu'il explose. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Putain, mais toi, tu peux aller dans les grottes easy, toi, avec ta torche petit fine. Bah ouais, Moi, mais je voulais torcher. l'inconvénient, tu vois, c'est que je peux me perdre plus facilement parce que comme je pose pas de torche, du coup j'ai un petit peu de Moi, mal à retrouver d'où je viens, quoi. je vois ton nom, t'es à peu près sous le petit lac. Ouais, bah je suis en train de retrouver la sortie là. Je suis sorti, voilà. Je ramène, j'ai 10 minerais de fer supplémentaires. J'ai Charbon, du surtout du charbon. charbon. J'en ai 39 du charbon. Donc je vais poser ça. Tiens, donne-les-moi, je peux tout mettre en torche. Bah non. Mec, regarde ce qui nous manque dans les fours. Partie, je vais faire des torches. Tiens, je l'ai posé par terre. Parfait. Voilà, là ici, ouais. Tac, voilà. 28 torches. Ça devrait le faire. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Ouais. Moi, par contre, mec, je vais pas tarder à m'arrêter. Ouais. Parce que j'ai pas encore mangé et ce serait pas mal que je mange. Je te laisse finir ce que t'as à faire, je récolte le minerai de fer là et Ah. puis Putain, il y a deux squelettes qui m'ont surgi dessus. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est mort. t'as un bouclier ou pas? Non, j'ai pas de bouclier. Bah viens là, je vais t'en faire un. Tiens. Hop là, merci. Et moi je vais m'en faire un aussi. Merde, hop. Voilà. Nickel. Voilà, le seul souci c'est que moi le bouclier malheureusement bah je serais obligé de le mettre dans mon autre main et du coup je finirai dans le noir donc je verrai plus rien. Mais c'est pour ça qu'il faut torcher. Bah oui, je sais. Je sais, je sais. Faut qu'on empêche les ennemis de spawner. Pour ça, faut qu'on mette des torches. Ouais, non mais t'inquiète, si on dort bien la nuit, qu'on laisse pas qu'on leur laisse pas l'occasion de spawn, normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, dans les grottes, ça va spawner.
Ah, oui, si on met pas de torches, oui. Si on met des torches, non. Oh, vache. Bah écoute, si toi t'arrêtes le stream, on arrête là, comme ça on reprendra l'aventure là où on l'a arrêté. Ouais. On va faire ça. Ah oui, effectivement, je viens de voir mes notifications, j'ai bien eu une déconnexion, donc en fait ça va m'avoir coupé le stream en deux. Donc on va avoir notre petite partie Minecraft en deux parties, en deux vidéos. Ah, j'aime pas quand ça fait ça, c'est chiant. Est-ce que tu as déconnecté? Non, pas encore. Attends, tu sais Non. quoi? Tu sais quoi? Regarde, le soleil il va se coucher, on va faire un petit dodo, et puis après on se déconnecte. Ouais. Voilà, comme ça au moins. Comme ça au moins, on sera tranquille. Mais Oups. pourquoi t'as cassé mon lit? Je me suis gouré de touche. C'est marrant, toi, ça fait un bruit quand tu fais ton bouclier. Moi, c'est Bah, pas de bruit. toi aussi. Moi, je l'entends ton bruit, t'inquiète pas. Hein. Moi, j'entends pas de bruit. Par contre, j'entends pas bien non plus. Hop! Bon, voilà, moi perso, j'ai quitté. J'ai quitté aussi. Voilà, parfait. Je vais pouvoir fermer le serveur. Et je vais pouvoir quitter Minecraft. Et couper le stream. Et couper le stream. Bon, du coup, moi je te dis à une prochaine. Je sais pas quand est-ce que tu seras à nouveau dispo. Dimanche prochain, si j'ai compris. Oui, sûrement dimanche prochain et peut-être dans la semaine, tout dépend de mon état de fatigue. Tu me tiens aux jutes? Je te tiens au jute. C'est parfait. Bon, bah, du coup, moi je te dis à plus tard. Eh ben, plus tard aussi, hein. Ciao. Ciao. N'importe quoi. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc du coup, bah c'est la fin de ce petit stream. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas fait grand-chose en vrai, hein. On a pas mal traîné sur le début. On a perdu énormément de temps sur la configuration du serveur et du jeu. Maintenant que c'est tout bon, la prochaine fois, je vous promets que ce sera plus rapide. J'espère également aussi que la connexion va arrêter de couper parce que c'est très chiant. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne après-midi. Voilà, je sais pas si je vais restream moi cet après-midi. Je verrai en fonction de mes disponibilités. Et j'espère vous revoir très prochainement. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir les notifications de mes streams pour pouvoir venir voir les directs. N'hésitez pas à partager aussi la chaîne avec vos amis, votre famille, enfin tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, pour venir soutenir ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce truc-là, là, si vous arrivez à voir un petit peu, si vous savez un petit peu comment on s'en sert vraiment, parce que je l'ai mis, je sais toujours pas comment on s'en sert. Voilà, j'ai 100 sur 100. Est-ce que c'est aux gens qui doivent, je sais pas, lui faire perdre de la vie, lui en faire gagner, j'en sais rien. Donc voilà, si jamais vous savez, n'hésitez pas à venir me le dire, m'envoyer un petit message. Voilà, je serais très content d'avoir une réponse à ce sujet. Et donc, du coup, je vous souhaite bon après-midi et à bientôt. Ciao tout le monde.